Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 jeux de jambes de bachata. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Costa et j'aide toutes les personnes qui dansent à surmonter leurs difficultés afin de danser sans frustration et de se faire plaisir. C'est parti pour les jeux de jambes. Merci de liker si vous avez bien aimé les jeux de jambes et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper. Si vous voulez voir d'autres vidéos de bachata, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. C'est parti pour les explications. Premier jeu de jambes, on part sur une base classique. 1, 2 et ensuite, là, il y aura un triple pas, donc un contre-temps. On va compter 3 et 4. On fait notre 3 normal aussi, 3. Et là, vous allez reculer la jambe droite sur la pointe du pied et pour croiser, 4. Donc on compte 3 et 4. On perd le pointé classique sur le 4 et on compte 3 et 4. Donc pour faire 1, 2, côté, pointe, croise. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Même chose de l'autre côté. 5, 6. Là sur le 7, on part sur le côté 7. Vous reculez sur la pointe du pied gauche, 7 et 8, on croise. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Jeu de jambes numéro 2, pointé, hésitation. On est bien, on appuie sur la jambe droite. Sur le 1, on part de la jambe gauche et on pointe juste. On ne met pas le poids du corps sur la jambe gauche. Donc on fait 1, pointé, je repointe 2. Et là, je me décale 3 et je pose le pied gauche. 4, on pointe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. Pointé, pointé, on pose, pointé. Au complet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième jeu de jambes, ça se complique. On reste deux temps sur notre jambe gauche au début. 1, 2, et là on va rejouer avec un triple pas, donc avec un contre-temps. Là le 3, ça sera pointé, 3, je décroise et 4, je pointe. Donc ça fait deux temps sur la jambe gauche. 1, 2, le 3 ici c'est vraiment important de partir sur la pointe du pied. 3, décroisé et 4. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on reste deux temps sur la jambe droite, sur le 5, 6. 5, 6. Et là, vous croisez la jambe gauche sur la pointe. 7. On décroise sur le et. Et 8, je pointe. Donc ça fait 5, 6, 7 et 8. Attention donc de faire des petits déplacements. Pas de grands déplacements, sinon vous serez en déséquilibre et perdu au niveau des pieds. Donc au complet, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Quatrième jeu de jambes, on va jouer sur les déplacements devant, derrière, mais avec des contretemps. En temps normal, on fait 1, 2, 3, 4. Là, on va accélérer le mouvement, donc rajouter des contretemps. 1 et 2 et 3, 4. Donc, il faut bien être dans le sol pour avoir un bon équilibre. Là, on avance gauche, gauche, je pointe droite. Je recule droite, je pointe gauche, j'avance gauche, je pointe droite. Donc, ça c'est assez rapide. On compte 1 et 2 et 3, 4. Et ensuite, rumba croisé, on se met en appui sur la jambe droite, sur le côté 5. Le 6 sur place, 6. Et là, je croise la jambe droite, 7 pour venir pointer sur le 8, 8. Donc, on complète, ça fait 1 et 2 et 3, 4, côté, croise, 7, 8. Cinquième et dernier jeu de jambes, on avance la jambe gauche, 1, on avance la jambe droite, 2, donc le pied toujours à plat. Et attention, là, il faut bien se mettre en appui sur votre jambe droite pour ne pas équilibrer le poids du corps. Si vous venez 1, 2 et vous équilibrez le poids du corps, vous risquez de repartir du même pied. Donc, on veut toujours partir gauche, droite, gauche. Donc là, ça va faire gauche, droite, ensuite on recule la jambe gauche, 3, et vous allez venir pointer,
votre jambe droite en la passant devant la jambe gauche. Donc ça fait 1, 2, 3, croise. Ensuite, l'idée c'est de faire un tour à gauche entier. On va d'abord apprendre à appuyer sur la jambe droite sur le 5. 5, donc faire déjà un quart de tour ici. 5, et ensuite, en tournant toujours à notre gauche, on va poser le 6, 7, tourner sur le 7, 6, 7. Donc on va tourner sur le 7, on sera en appui sur la pointe de la jambe droite pour tourner. 8, pointer la jambe gauche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, premier quart de tour, 5. Là, il faut bien mettre le poids du corps sur la jambe droite, mais attention de ne pas partir trop loin. Le 5, c'est vraiment l'appui. 5 pour tourner, c'est vraiment cette jambe droite qui vous propulse. 5 pour aller sur la jambe gauche. Donc ça fait 5, 6, il reste encore un demi-tour. À partir de là, tournez toujours les épaules à gauche. 7, comme ça, il ne restera qu'un quart de tour à la fin. 8. Les 5 jeux de jambes complets. C'est parti, faites-le avec moi. Une base classique au début. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, le triple pas. 3 et 4, 5, 6, 7, hésitation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 temps sur la jambe gauche. 1, 2, 3 et 4, 2 temps. 7 et 8, accélère. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, devant, derrière. 1, 2, 3 et le tour. 5, 6, 7, 8.